travailler sans aucun effort. Quand le train enfin s'est arrêté, on ne m'a pas demandé mon billet. Mais malgré le plaisir de la nouveauté, j'aurais bien voulu m'en aller. Écoute, jeune Ferfumar, l'air que ces bagnards chantent dans la rue, c'est sur cet air, vois-tu, que tu m'es apparu. La nuit tombait déjà, étouffant tes pas sur le sol glacé. Chien et gardien aboyaient. On m'a dit, on ne m'a rien dit, et je n'ai même pas eu à dire oui. Ahurie et moulée sortant du fourgon, j'entends d'abord rien moins que de vilains jurons. J'aperçus ensuite nos gardiens. Ils avaient des cravaches à la main. Malgré la différence des vocabulaires, je compris ce qu'ils voulaient faire. Dans un grand hall glacé, on t'a déshabillé et numéroté, puis on t'a fait poser pour bien t'acclimater. Défaillant de froid et louchant d'effroi, mais les dents serrées, pourtant tu n'as pas pu rire. M'a pris d'abord mes bijoux, ma valise et mon sac en cuir roux, mes petites provisions, mon pot de sang, ses sons, ma paire de chemises et puis tous mes pantalons. Je croyais qu'on m'avait tout pris. J'espérais que c'était bien fini. Comme un bébé naissant, j'étais toute nue. C'est alors qu'ils m'ont tondu. On t'a pris tes cheveux pour serrer les moyeux, mais ça ne suffit pas. Tu travailleras pour eux, tu ne mangeras pas. Quand tu succomberas, on t'achèvera, on te brûlera et ta graisse nous servira. À quoi ? À faire du savon, à graisser les locomotives. C'est sûr. À Lublin, c'est les os qu'on récupérait. Ça dépend des endroits. Je n'aime pas non plus. Mais s'il faut absolument choisir, je crois que je préfère les os. Ça doit être moins salissant.